Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dont deux articles de chez Cannes et trois articles de chez Kiko. Donc, chez Cannes, j'y suis allée le week-end dernier, et Kiko, j'y suis allée en même temps que Primark. Donc, aujourd'hui, je viens de rentrer il n'y a pas longtemps, et voilà, donc c'est parti. Donc, pour commencer, je vais vous présenter les deux articles de chez Cannes. Donc, c'est cette veste-ci, donc qui est asymétrique, comme vous le voyez. Très jolie avec de la moute-moute à l'intérieur. Et là, c'est normal, assez léger. Et ensuite, ce jean-ci, donc troué, qui fait slim. Très joli, donc 25 euros les deux, ça a fait 50 euros les deux vêtements. C'est mon chéri qui me les a fait cadeau. Ensuite, chez Kiko. Donc j'ai pris un vernis pour commencer. Ce vernis qui est, on va dire, un marron crème. Très joli, désolé de la luminosité, c'est juste qu'il va commencer à faire nuit, donc voilà. Donc voilà, qui est le numéro 319 et qui a coûté seulement 1,90€. Car il y avait des petites promos à Kiko. Enfin, chez Kiko. Ensuite, ce rouge à lèvres aussi, donc qui est la teinte 915. Donc le packaging est très joli. La teinte, c'est celle-ci. Je vais vous la swatcher. Voilà, elle est très jolie. Donc, c'est celle-ci. Très bien pigmentée. Et il sent très bon. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Bon, c'est pas celui que je voulais au début, mais bon. Ensuite, j'ai eu celui que je voulais. Donc, mon coup de cœur. Je l'adore. Mais je l'adore. Donc c'est le 923, je vous le conseille vivement. Il est vraiment très joli. Donc c'est un violet. Vraiment un très joli violet. Voilà. Je l'adore aussi et il est très sympa. Donc désolé si vous entendez parler en bas, c'est parce que je suis chez moi. Et donc il y a tout le monde en bas et du coup ça parle fort. Et bon, on s'en fout. Donc, chaque rouge à lèvres coûtait 2,90€. Donc, je continue avec le plus intéressant qui est Primark. Donc, mon chéri s'est pris ce polo-ci, donc blanc et noir, qui a coûté seulement 5 euros. Ensuite, il s'est pris aussi ce pull-ci à rayures noires et bleues. Il est très joli, il est assez sympa. Voilà, il a coûté 9 euros. Ensuite, il s'est pris ce survêt-ci, donc resserré aux chevilles. Il est gris, il a une poche juste ici. Il a coûté 10 euros. Ensuite, je continue avec ce pull-ci qu'il s'est pris, donc vraiment très joli, ça fait très classe. Il a coûté 16 euros, c'est pas cher. Non, c'est pas cher quand on voit le prix qui font dans les autres magasins. Non, ça va. Ensuite, ces caleçons-ci, donc qui ont coûté 9 euros. Bon, c'est cher les deux, mais bon, c'est la bonne qualité, donc voilà. Je continue donc avec un truc assez marrant, qui est une grenouillère pour mon chéri, donc Superman, resserrée aux chevilles, qui a coûté 18 euros. Elle est très belle, bon c'est vraiment un tulle amour, mais si ça peut lui tenir chaud, j'en suis contente. Ensuite, il s'est pris aussi un polo noir, donc voilà, qui a coûté 4 euros. Ensuite, il s'est pris deux lots de 5 paires de chaussettes, donc un gris et un noir qui étaient à 3 euros chacun. Ensuite, il m'a pris 3 paires de chaussettes en pilou-pilou. Donc une grise à rayures roses, une rose avec les détails gris, une grise avec des étoiles roses et les détails gris, donc elles sont comme ceci. Et elles ont coûté 3 euros seulement, ce qui fait 1 euro la paire et c'est pas très cher. Je vous conseille d'aller chez Primark. Ensuite, donc, j'ai fait la razzia des lingettes.
Donc je vais vous montrer ça. Donc, trois roses comme ceci. Parce qu'elles sont très belles, je les adore. Un bleu comme ceci, donc il y en a deux, je crois, c'est 1,52€. Un jaune. Et un orange, j'en suis très contente. Voilà pour ça. Ensuite, je continue avec ce lot de 3 bagues pour 4€. Donc moi, j'ai pris en taille ML. Voilà, pour 4€, c'est vraiment pas très cher. Et elles sont vraiment très belles. J'ai flashé dessus quand je les ai vues. Ensuite, je continue avec les deux derniers articles, je crois. Ah non, non. Donc, ce paquet de coton-ci, qui était à 75€, les 120 disques. Je l'adore et je le reprends tout le temps. Je continue avec ce petit paquet chewing-gum qui est pas très intéressant, donc de la marque Mentos. Il en a 45 et il a coûté 2€. Et je finis avec deux masques de chez Montagne Genève. Donc je les vois tout le temps. Deux masques. Je les vois tout le temps. En fait, sur YouTube, et j'ai voulu les tester. Donc j'ai pris celui à Passion Peel Off. Donc il y a 10 ml. Voilà. C'était 1,50€ chacun. Et le deuxième, c'est le set de Evening Blemish Mood. Donc c'est à l'aloe vera. Et voilà, je vous donnerai. Je vous dirai des nouvelles. Et voilà. Donc désolé si je parle un peu vite, mais c'est que j'ai pas envie que la vidéo dure des plombs. Et désolé de la luminosité encore une fois. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous.